Good morning. On s'en va au buffet! Eating! Va falloir s'asseoir tantôt pour parler parce que j'ai pas encore parlé une fois dans ce vlog là. Depuis qu'on... Hola! Depuis qu'on est parti, j'ai pas parlé, donc après le souper... Bonjour, nous sommes à Cuba! C'est notre demain matin. Nous sommes à Cayo Largo. Comment ça va souper? Hey, je suis rouge là. Ouais, un peu. Un autre niveau. Ça ne fonctionne pas du tout. T'es pas rouge, t'es mauve. Je suis bleu marin. Bon. Bonsoir. Ça fait comme un... Le petit train, on est rouge ici, là. Le petit train, on est rouge. Fait que là, on est rendu... À Cuba! Mais on est quel jour? Dimanche. Oh, on est dimanche. Il est quelle heure? Je sais pas. Oh, j'ai raté la graduation. Fuck! Il est là. On est rendu dimanche. On est arrivé ici vendredi et je vous ai pas encore parlé parce que, ben, ça roulait. Ça roule! Donc, si on récapitule. Vendredi matin, on est arrivé à l'aéroport vers 3h30, 4h. Notre vol était à 7h, on a pris notre vol, ça a super bien été. On est arrivé ici, on a attendu un peu à l'aéroport parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui venait ici. Aussi. On a pris un petit autobus de genre 10 minutes, même pas. Mais on était lent parce qu'on est resté à la douane. Ouais. On était les derniers à prendre le bus. Ouais, c'est ça, on était les derniers dans le bus, c'était tout un peu long, c'était un peu lent. Ça a bien été. On est arrivé ici. On arrive pour prendre notre chambre et ils me disent que la chambre est brisée. Brisée, c'était plate, on avait fucking une belle vue, on était sur le bord de la mer. On avait la vue, ouais. Au premier étage, genre. Ben, ouais. Mettons un escalier. Rez-de-chaussée, premier étage. Ouais, comme. Deuxième, on dit ciel ou deux, non, c'est deux. Non, c'est rez-de-chaussée, premier. Premier? C'est pas. Ouais. Ouais, c'est rez-de-chaussée. Ben, je pense que c'est rez-de-chaussée, deux, y'a pas d'un. Whatever. En tout cas, un palier d'escalier, la chambre était là, vue sur la mer, full cute, mais on n'a même pas rentré dedans, on dit que c'était brisé. Fait que là, on s'est fait transférer à une autre chambre, mais le point positif, c'est que la chambre qu'on avait, qui était sur la mer, était quand même plus loin de genre la réception, de la piscine, des restaurants. Aussi. Tandis que là, on est vraiment proche de tout ça, puis genre peut-être 2 minutes de marche la réception, plage. La piscine, la bouffe. Peut-être 5, ben non, pas 5 de la plage, même pas 5. C'est vraiment pas loin, c'est genre tchit. On est vraiment mieux ici. Fait que ça a été ça. Vendredi, qu'est-ce qu'on a fait?
On est dimanche. Mais vendredi, c'est ça. On est venu ici, puis on est venu dormir. On est dans la piscine. On est dans la piscine, on est ça? Non. Faut rester bien. Ben oui, on est arrivé, on est allé manger au petit resto sur le bord de la plage. On a regardé la plage. Vendredi, c'est bon, t'es arrivé fucking tôt. On est arrivé genre vers le dîner. On a passé la journée à la piscine, puis après, on est allé souper. On est allé luncher. Ouais. On s'est pas couché tard parce qu'on s'est levé à comme 2h. Fait que ça a été ça, on s'est couché à 9h15 exactement. On s'est levé le lendemain à 9h30. On a dormi un bon 12h. Après ça, hier matin, on est allé à la plage. Vraiment trop belle plage, eau turquoise, beau sable, il faisait chaud. Hier, c'est vraiment plus chaud aujourd'hui. C'était l'avant-midi, ça. Avant-midi, début d'après-midi. J'ai baigné d'un gros vague, j'ai perdu mes lunettes. Après ça, on est allé luncher rapido presto. On est revenu à la piscine pour la fin de l'après-midi. Mm-hmm. On a joué au volleyball avec toutes les kebs qui étaient là. Oui, puis il y avait. C'était quoi? Il y avait la danse. On a dansé. Ah, on a fait des petits cours de danse. En début de soirée. C'était quoi? C'était la bachata, puis le. Il y a 3-4 affaires, là. Danse cubaine. Danse cubaine. Dans quoi de même? Après, on est allé souper, puis après, la petite soirée. Petite soirée qui bien encore, là. Je sais pas trop c'est quoi les noms, là. Petite soirée. Mais ça c'était hier. Ça c'était hier. Moi je suis rendu à hier. On était rendu à hier. Ah, moi j'étais en accéléré. J'étais à vendredi, là. J'étais en accéléré. Ok. Fait que c'était la petite soirée, je lui ai dit, moi et Maria, tambour. On est allé danser comme au début avec le monde qui était là. Puis là, Maria a dit, ok, il va y avoir un concours de tambour. Fait que là, à Pog, moi et Maria, elle a dit, ça va être vous. Fait que là, un concours l'un contre l'autre. Ouais, fait que là, le gars il faisait une petite affaire, puis là, il fallait comme le reproduire. C'est Maria qui a gagné. Maria a un peu triché parce qu'elle a redemandé au monsieur plusieurs fois. Moi j'ai jamais demandé. J'ai jamais redemandé. Je pense, en tout cas, il n'y a pas de règlement clair. Elle a gagné, mais elle n'a comme rien gagné dans le fond. Elle a gagné un truc au ballon blanc. Une excursion au ballon blanc. On n'a pas trop compris, puis on n'ira pas non plus. Fait qu'elle a comme rien gagné, mais c'est juste pour le fun d'y aller. Mm. On s'est couché ce matin. Ben, honnêtement, la journée d'aujourd'hui ressemblait à hier. On s'est levé. Moi, la différence, moi, je me souviens un peu plus tôt. Je suis allé courir, c'était vraiment beau, moi, vraiment chaud. Sinon, ça a été piscine, pas piscine, on a commencé à la plage encore. Mais on a fait plus de plage aujourd'hui. Plus de plage aujourd'hui. On était venu l'installer. Ouais. L'installer. Ben, c'est parce que là, on sait plus aussi comme qu'est-ce qu'on aime, où est-ce qu'on va hier aussi. Ouais. Vendredi, on cherchait plus, tu sais, les repères, là, on est comme plus seté. Fait qu'on était à la plage, lunché, on a retourné un peu à la plage, piscine, encore le volleyball. Là, on se prépare pour aller souper, puis ce soir, il y a encore une soirée. Fait que c'est la semaine va sensiblement ressembler à ça. Mais en même temps, c'est parfait. C'est parfait en esti. Il y a demain qu'on va à une autre plage un peu plus loin avec un petit train là, qu'on dit, je sais pas trop. Fait que voilà. Allô la gars! Salut! Maman Poêle qui sort de la douche. Maman Poêle. Fait que c'est ça, il nous reste une genre de 45 minutes. Ah, puis c'est ça aussi, à 7h, faut être à l'intérieur parce qu'ils vont comme pitcher des pesticides en avion. C'est ce que j'ai compris. C'est vrai. Puis là, quelle heure? Il est genre 6h, il est pas beaucoup là. Parce qu'on a sorti la piscine. On est sorti de la piscine à 6h, puis ça fait pas longtemps. Ok. Si c'est le fun, j'aurais joué au volleyball toute le reste de ma vie. C'est mis 6h15. Fait que là, à 7h, faut rentrer en dedans et fermer nos fenêtres et portes parce qu'il y a des pesticides. Parce que vendredi hier, il y avait tellement de bibites là. C'était l'enfer. Fait que là, ils vont comme crisser ça. Fait que ça devrait être mieux. Espérons. Donc, c'est ça. C'est tout. Ah, je vais faire remonter la chambre. J'ai remonté la chambre. C'est un peu le bordel. Donc, room tour. On va commencer de d'ailleurs. Je vais juste pas fermer la porte au complet parce que j'ai pas de carte. Donc, mettons que je vous fais un petit repère. Ça, c'est notre chambre. La réception, c'est juste le petit bâtiment là. Et la plage, on la voit pas là, mais c'est juste dans le trou là. Fait que c'est vraiment pas loin. Nos mères sont dans comme un bloc un peu là-bas. Puis à la base, c'est ça notre chambre. Je pense que c'est dans le coin là-bas. Fait que c'est un peu plus loin de la réception, mais pas tant. Donc ici, on a notre chambre, la 5702. Ok, toc toc toc, on rentre. On se dépêche parce qu'il y a une petite mouche. Donc, ici l'entrée. Avec un beau garde-robe, des petits souliers, petit coffre-fort ici. On met des petites serviettes à sécher, des petits trucs. Ici, on a le miroir dans la salle de bain et ma soeur qui se brosse les cheveux. Ça ressemble à ça. Ici, la douche qui est quand même assez spacieuse. La salle de bain, pas la salle de bain, la toilette plutôt qui est derrière. Donc, c'est vraiment tout pour la petite salle de bain. Ici, on a un miroir qui est vraiment trop bas, comme vous pouvez voir, pour moi. Et ici, on a les trois lits, donc le mien, celui à Alex, celui à Marilia. Petite TV qu'on a fermée parce que péripéties. On a débranché. Péripéties que je vais vous raconter après. Petit meuble ici avec des oreillers, mon dieu, je sais pas c'était quoi. Petite station donc, juste ici. Bonsoir. Et petit balcon. Petite terrasse entre guillemets, qui a une petite clôture, comme un autre truc à sécher, avec la vue sur les voisins. Donc c'est tout.
T'aurais pu attendre que ce soit plus rangé. Tu sais, mettons, genre, quand. Mais c'est parce qu'elle sera jamais rangée. Mais quand on revient après que la femme de chambre soit passée, c'est clean. Ouais, mais on n'a pas changé grand chose depuis qu'on est revenu. Ben, ou un peu. Oh, putain. C'est juste la serviette de plus. Ça, ben, tout est ouvert. Tantôt, je pense que tout était fermé. Puis tout peut-être. Est... Mais en tout cas. Paul? Quoi? T'es où? J'ai vu de quoi penser là, c'était plus. C'est les ondes des. Des bon, arbres, je pensais que ça m'a un chat, je te laisse. C'est les palmiers. Il y a un petit qui rentre ici dedans. Fait que oui. On t'a pas raconté les télés. Non, je les ai même pas. J'ai-tu filmé? Je sais pas. Une chose à la fois. Péripétie de la télé. pas hier soir. Vendredi soir, la première nuit, on s'est couché vraiment tôt, comme je vous ai dit, vers 9h15. À 11h09, exactement, parce que hier c'est la même heure. La TV ouvre, on dormait. La TV ouvre avec une espèce de poste qui gritchait un peu en espagnol, on comprenait rien. En jouant de la musique, on était tout mêlés. On se parlait, on se comprenait pas, on disait, on était vraiment mêlés. On était bien à jeun, là. On était bien à jeun, on était mêlés parce qu'on venait de se coucher, ça faisait comme 2 heures, 1h30, 2 heures. On a fermé ça, ça a été ça. Tu pensais que c'était le matin? Moi, je pensais que c'était le matin. Je te dis, on était mêlés, Ben. Fait qu'on a fermé ça, ça a été correct. Hier, on s'est couché un peu plus tard, fait qu'en arrivant ici vers 11h09, donc dans les mêmes heures que le vendredi, même affaire, la TV ouvre, la même émission, la petite musique. Fait que soit que c'est hanté, ou soit que c'est comme un... Comme un. Une alarme ou un. C'est genre programmé sur la TV que ça ouvre à cette heure-là, mais pourquoi? 11h09 le soir? On le sait pas, fait qu'on l'a simplement déployé. Et ça s'est arrêté là. Pour l'instant. Ben pour l'instant. Ça n'a pas réouvert, on verra 11h ce soir. Ça devrait pas être déployé. Sinon. Je le souhaite. Les petits chats aussi, je pense. Je sais pas si je les ai filmés avec ça, avec ma caméra. Non, je pense non. Il y a des beaux petits chats. Cinq petits chats, trois petits gris, un noir, un orange. Trois petits fripons sont venus dans mon lit. Dévaler les escaliers. Déguisés en chevalier. Se battant à coups d'épée. Casse tous les oreillers. Et téléphone aux pompiers. Un, deux, trois petits chats. Trois vilains petits fripons. Tous s'ennuient. Sans rentrer dans ma maison. Non, mais ça me coule dans l'escalier. Ça se peut. En tout cas, c'est pas très grave. B-Real fonctionne pas ici. Vamos au buffet. Ah aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai perdu une paire de lunettes dans la mer moi aussi. Puis eux, on les a perdues. Dans le fond, Marie avait eu, j'en avais une autre qu'on a perdu les deux pratiquement en même temps. Puis on a retrouvé eux en sortant. J'ai marché dessus. Sinon, c'était quoi les chances qu'on les retrouve? Dans la fucking mer. Dans toute la mer, là, j'ai bien pilé dessus. Je pense que c'est mes lunettes, j'ai levé ça, pow, lunettes. Les autres, on les a pas retrouvées. Voilà. Donc la fin des lunettes. Peine perdue. Il y aura un chanceux à Manny qui trouvera. Voilà. Nous qui commence par le bon dessert. Nous qui commence par le dessert parce qu'on veut de la crème glacée à l'orange, puis elle en avait plus. Fait que c'est notre entrée. C'est entrée de crème glacée. Ben oui. Mmh. C'est du gras. Merci. Je vous filme ici, on voit pas grand chose. Dans le fond, on a pris un bus après le spectacle qu'il y avait au resort. Puis on est venu dans le petit village avec genre les animateurs. Il y a des filles aussi qu'on a rencontrées au volleyball aujourd'hui qui sont là. Fait qu'on est juste comme une gang dans un petit village. Puis ça a l'air que le party, ça se passe ici. Fait que here we are. On s'est dit que tant qu'à être à Cuba, on allait suivre les parties et y aller. Les animateurs sont vraiment fins, ils arrêtaient pas de nous convaincre de venir. Fait que ça part.
moi au montage qui vient mettre fin à ce premier vlog de... Allô, Loulou? Allô, Moulama? Bon, j'ai vu qu'il s'en mêle. Super. Elle qui fait de l'escalade. Elle qui fait de l'escalade de nuit, là. Je viens conclure ce premier vlog de voyage parce que dans le fond, j'ai comme presque 40 minutes de footage pour les deux vlogs. Fait que je trouve ça un peu long, un vlog de 40 minutes. Donc, j'arrête ça ici, première partie du vlog. Dans la deuxième, c'est le reste de notre semaine. Puis, je vous fais aussi comme un récapitulatif à la fin de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, où est-ce qu'on était exactement. Vraiment un bon résumé. Fait que voilà, on se revoit dans le prochain vlog. Ciao!